通道稳定度良好，次元空间波发生几率是90%。次元空间波有可能引起强烈震动，请准备承受撞击。Voilà, allez, nous y sommes. Alors, dis-moi où je dois aller maintenant, Bridge. D'abord, est-ce que tu peux me promettre que tu ne vas pas t'énerver? C'est bon, t'inquiète pas. Je te promets de rester calme, ok? Je calcule la vitesse de marche. Tu attraperas le fugitif dans 1 km. Ok. Il y a un peu moins d'une heure, une personne sans autorisation a réussi à s'introduire dans le monde ancien. Il est inoffensif pour les hommes et les animaux. Il faut se méfier des apparences, il est peut-être dangereux. Nous avons affaire à un tueur en série qui ne tue que des jeunes filles. Ah, mais quelle horreur! Il prend plaisir à les tuer. Ses crimes ne font que s'intensifier. Ça devient très inquiétant. Je pense qu'il a prévu de se suicider dans le monde ancien et qu'il va essayer de changer d'identité. Ça arrive souvent dans les dimensions. À mon avis, c'est le groupe terroriste qu'on appelle le doute. On peut voyager dans les dimensions, pas dans le temps. Il est impossible de modifier le passé. Agis rapidement et prudemment. Et surtout, ne sois pas téméraire, fais-nous confiance. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Oh les mains! Ça n'a rien à voir avec de la témérité. Dis donc, je te signale que tu avais promis de rester calme. Tu ferais mieux de me signaler l'endroit où il va réapparaître. Avant ça, il faut que tu ailles prendre le thé à l'endroit habituel. Oh. Oh non, il faut encore aller voir cet informateur. Le parfum et le goût de ce thé rendent hommage à une femme. Une femme asiatique, très belle et très raffinée. Tu sais ce que je pense? C'est un thé parfait pour toi, n'est-ce pas, mon amour? Stop. Je me fiche de ton thé. Oh, ça veut dire que c'est à moi que tu t'intéresses? Hé, dis-moi plutôt comment je vais retrouver la personne en qui ma cible va se changer. Dans le monde ancien, il enseigne là où on apprend. Là où on apprend? Dans votre monde, je crois qu'on appelle ça école. Et tu sais, Ai, il paraît que c'est un professeur très gentil et très aimable. Alors comme ça, dans cette dimension, ce monstre est un professeur. Ça veut dire que les enfants qui suivent ces cours sont en danger. Aïe, tu dois protéger les enfants! Écoute, t'as vraiment pas besoin de me le rappeler, je sais très bien ce que je dois faire. T'es pas gentil avec moi, mais tu sais, ça ne me dérange pas. Puisque tu m'aimes, hein? J'aime pas les friandises.
Oh, ça avait l'air bon. J'ai pris contact avec lui comme c'était prévu. C'est Ayosaka qui vous a interrompu? Je m'attendais à ce qu'elle arrive, mais... Tu veux que je m'en occupe? Non. T'en fais pas, je m'en sortirai toute seule. Alors, tu t'en sors? C'est très bien. Allez, continue, tu y arrives presque. Bien, tu es prête? Tu sais, je suis sûre que dans ce monde, tu es moins brutale. Je m'en fiche. Et arrête de dire ça, t'es qui pour me juger? Je n'ai aucune idée de ce que je suis. Un tas de ferraille, ça reste un tas de ferraille dans tous les mondes, tu sais? Un tas de ferraille, tu dis? Tu sais que j'ai un cerveau humain, quand même. C'est bon, t'énerve pas. Je voulais juste plaisanter. Est-ce que tu veux un petit biscuit? Ne l'interromps pas. Tu vois bien qu'elle travaille. Mais enfin, professeur, on ne travaille pas bien, le ventre est vide. Merci beaucoup. Professeur? Mais qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui me ressemble? Ah, réponds-moi! Où est-ce que je suis? Je suis pas intéressé par les femmes de ton âge. Yui? Maintenant, on va discuter et rattraper le temps perdu, d'accord? Mais tu préfères peut-être une partie de bras de fer? Je vois que c'est encore le doute qui est derrière cette histoire. Non, Ai. Je refuse qu'une terroriste prononce mon nom. Ai. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'écoute pas cette terroriste. Pense à ta mission. Moi. Grand frère,
Aïe. Écoute, je suis... Tu sais, je suis... Tais-toi! Excuse-moi. Comment ça, il n'est pas mort? Un tranquillisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, c'est l'heure de rentrer. Attends, tu veux que je le porte toute seule ou quoi? Je peux peut-être appeler ton informateur. Il se ferait un plaisir de t'aider. Ok, je vais le faire toute seule. Nous n'avions pas prévu la trahison de notre ancienne enquêtrice Yui Momose. Tu n'as pas à te sentir coupable de la trahison de ta partenaire. Le plus important, c'est de capturer les membres du doute. Tu dois interroger le prisonnier. Tu dois découvrir tout ce qu'il sait au sujet du doute. Tu sais, je suis... Tais-toi! C'est encore le doute qui est derrière tout ça, pas vrai? Si tu refuses de répondre, tu risques de le payer cher. Hé! Je t'ai déjà dit que je m'intéressais pas aux femmes de ton âge. Qui t'a aidé à te transférer dans l'autre dimension? J'ai pu être transféré grâce à un homme. Attention, j'ai détecté une bombe à l'intérieur de son corps. Quoi? Est-ce que... Je vais mourir! Tu peux faire quelque chose? Impossible. On n'a pas le temps de lui enlever. Non! Tu vas pas mourir! Apparemment, il ne voulait vraiment pas qu'il parle. C'est le doute qui le contrôlait. J'ai pu être transféré grâce à un homme. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi de neuf? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Ça ne te ressemble pas. Tu es plus calme que d'habitude. Tu dois être amoureux de moi. Pour m'appeler pendant mon temps de repos. C'est impossible. Je ne pourrais pas, même si j'étais infecté par un virus. Elles te plaisent, ces nouilles ou pas? Je sais pas, elles n'ont rien de spécial. Attends, mais ça va pas? C'est le meilleur restaurant de la ville, tu sais? Tout est meilleur. Le bœuf, les nouilles, la soupe.
Le goût est bien meilleur qu'ailleurs. C'est digne d'un grand restaurant, je te signale. Je me demande pourquoi le guide Michelin l'a pas étoilé. Peut-être qu'ils aiment pas les nouilles, le guide Michelin, je sais pas. Je m'en fiche de tes opinions culinaires. Alors, t'en penses quoi de ma soupe? Elle est bonne. J'aime bien le goût de la viande. J'aime bien le goût de la viande. Je croyais que t'aimais pas la grenouille. C'est de la soupe de grenouille. Goût sublime, beaucoup de protéines, peu de calories. Tu sais que c'est un des plus grands plats de la gastronomie française, les cuisses de grenouille fraîches, ma vieille. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es bizarre depuis quelque temps, tu sais. Désolée, je suis un peu tendue. Oh! Ah, au fait, dis-moi. Tu m'avais dit que tu commençais une enquête il y a 2 mois. Tu te souviens? Non, ça te dit rien? T'en as pas reparlé depuis. Alors je me demandais... Comment ça? J'ai commencé une enquête? Oh, c'est trop bon. Hé, tu veux du dessert? Ils ont les meilleurs, tu sais. Non, merci. Une fille peut pas dire non à un dessert. Écoute, on n'est plus des petites filles maintenant, tu comprends? On a grandi. D'accord, alors personne ne prend de dessert. Si tu me bats au bras de fer. Tu crois que tu peux gagner? Je suis sûre que je vais gagner. C'est moi qui vais gagner. Faut y aller. Dis-moi, pourquoi est-ce que ton frère a été tué, à ton avis? Il y a eu une enquête. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faisait partie du doute. Mais moi, j'en crois pas un mot. Il était à la pointe de la recherche sur les dimensions. Le doute l'a utilisé, et ils l'ont tué quand ils n'ont plus eu besoin de lui. D'accord, mais... En fait, c'est ça que je trouve étonnant. Il avait plus de valeur vivant que mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'ai confiance en mon frère. Allons-y. Et après cette mission, on se fait un resto 3 étoiles. Tu vas finir par me ruiner avec tes restaurants gastronomiques. C'est pas si cher. Et puis en plus, ça permet d'apaiser l'esprit de bien manger. Moi, ce qui m'intéresse quand je mange, c'est de ne plus avoir faim. En route pour capturer les membres du doute. Dis-moi pourquoi vous l'avez tué. Yui. Calme-toi, ça ne te ressemble pas. T'as raison. Désolée. Tu sais bien qu'on va l'interroger. Yui, le cadavre que tu as vu n'était pas le mien. Quoi? Ce mois-là venait d'une autre dimension. T'as fait ça pour me piéger? C'est comme ça que les criminels se servent des dimensions. Explique-moi. Je vais tout te raconter. Mais d'abord, il faut que tu me suives. N'y va pas, c'est un membre du doute. Excuse-moi, Ai.
Alors, Aïe, ça te plaît de torturer ton corps? Moi, contrairement à toi, j'ai besoin d'entraînement, tas de ferraille. Tu te trompes complètement. Moi, j'ai besoin d'entretien et d'une maintenance très rigoureuse, bien plus que toi. Il s'agit d'une mission de protection. Qui faut-il protéger? Une jeune fille qui vit dans le monde féerique. Ce doit être. Oui. Elle a un pouvoir très spécial. C'est une génératrice. C'est encore le doute qu'il utilise pour ses projets maléfiques, c'est ça? Tu as bien compris, Aïe. Le nom de cette fille, Aruka Saegusa. D'accord, à vos ordres. Très bien. Commençons par rechercher des informations. C'est bizarre, dans toutes les dimensions, les informateurs sont des geeks. Oh mon Dieu, mon Dieu! Tu sais quoi? Je suis déprimé, j'ai besoin d'être consolé. Et en plus, ils sont tous complètement obsédés. Écoute, il faut que tu le cajoles un peu, si c'est le seul moyen d'obtenir des informations. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas trouver. Oh, Aïe, j'adore ça! C'est de l'amour que je ressens! Du plus profond de mon cœur et de mon corps! Non, mais je comprends, c'est beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Un filtre d'amour. Si jamais t'en buvais, on pourrait sûrement devenir le couple parfait! Tu rougis! J'ai bien vu que tu en avais envie! Elle est amoureuse! Tu ne sais pas t'y prendre avec les informateurs. Écoute, est-ce que tu connais une fille qui s'appelle Aruka Saegusa? Je vois tout dans mon livre magique! Je vois tout dans mon livre magique! Attends, regarde. Une diseuse de bonne aventure? Tu peux dire ça, mais elle a un don très spécial. Et ce don, il consiste en quoi au juste? Je vais t'expliquer, mon amour. C'est ce qu'on appelle une génératrice. Elle est la gardienne d'un vieux talisman qui protège les pouvoirs des dieux. Qui protège les pouvoirs des dieux? Ce talisman est un bracelet. Quiconque le porte voit ses capacités démultipliées. Il permet même d'ouvrir des portes pour sauter de dimension en dimension, tu comprends? Le doute veut s'en emparer. Il n'y a pas que le doute, il y a aussi une jeune fille qui veut présenter le journal télé. Le journal télé? Yui a toujours rêvé de présenter le journal télé. Dis-moi, tu peux me dire à quel moment elle va attaquer la diseuse de bonne aventure? Tout à fait. Comment pourrais-je te refuser un service? Il me suffit juste de frotter une allumette. Regarde, c'est elle. Mais ce n'est pas elle, la présentatrice en chef. Et elle est morte de jalousie. Après le journal, elle va passer à l'attaque. C'est dans moins d'une heure. À présent, des informations très spéciales sur de très... Elle ressemble beaucoup à ton ancienne coéquipière. Peut-être qu'elle a pris son identité. Tu crois que ça pourrait être Yui? Elle a 10 fois plus de puissance. Elle ne lui ressemble pas. Mais comment peux-tu le savoir? Regarde son sourire, c'est pas le sourire de Yui, il est artificiel. Tu veux dire que celui de ta partenaire était plus séduisant? Je savais que tu viendrais. Comment? Tu savais? J'ai jamais cru aux diseuses de bonne aventure. Et dans quelques instants, tu vas essayer de me sauver la vie. Tout va bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On a tout essayé pour tenter de la guérir. De la médecine traditionnelle à la magie. Vous êtes son dernier espoir. Mm-hmm.
Regarde, papa. Je tiens debout, papa. Oh, papa, je suis tellement heureuse. Merci. Merci beaucoup. Si j'avais ce bracelet. C'est vraiment le pouvoir des dieux qui t'a permis de guérir cette fille? Oui, c'est le pouvoir des dieux. C'est grâce à ce bracelet que j'arrive à l'utiliser, tu vois? Mais attends, on m'a dit que tu avais d'autres super-pouvoirs. Est-ce que c'est vrai que tu es une génératrice, Aoka? C'est vrai que... Tu avais raison. Ce n'est pas du tout ta partenaire. Changer d'apparence, ça ne permet pas d'avoir de nouveaux pouvoirs. Ce regard... Yui n'a jamais eu ce regard diabolique. Je ne peux pas prédire ses attaques. Comment ça? Je crois qu'elle réussit à bloquer mon pouvoir avec un bouclier à esprit. J'ai un message de la part de Lune Rouge. Le temps de la révolution est venu. Par ici! Le temps de la révolution est venu. Donne-moi ton bracelet. Pour la révolution! Elle est complètement folle. Il y a quelque temps, je lui ai prédit son avenir. Elle voulait savoir si un jour elle deviendrait présentatrice en chef. Je lui avais dit que... Que ça n'arriverait jamais, c'est ça? Oui. Quand je lui ai dit ça, ça l'a mise en colère. Elle n'a jamais renoncé à cette idée. Elle aurait donné sa vie pour devenir présentatrice en chef du journal télé. Alors après, elle s'est mise à me détester. Oui, elle prenait ça très à cœur. Comment je pourrais faire? Yui, allons-y. Le temps de la révolution est venu. Elle est possédée. Il ne faut surtout pas qu'elle prenne le bracelet. Donne-moi ton bracelet. Qui sait ce qu'elle en ferait? Arrête de faire l'idiote maintenant. Non, mais regarde-toi. Tu as l'air complètement folle. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce bracelet? Tout ça pour une histoire de jalousie? Essaye de penser normalement. Ça ne sert à rien d'être aussi méchante. Méchante au point de voler un talisman. Je ne veux pas. Je ne veux pas être... comme ça. Mais il n'est pas trop tard pour changer. J'aurais... voulu... te rencontrer plus tôt. Tout ça pour ce bracelet. Tout ça pour... Ta mission est de le protéger. Et ce qui vient de se passer, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu l'empêcher de faire ça. C'est de ma faute. Tu n'es pas responsable de sa mort. Ce n'est pas de ta faute. Oh. Ah, Brick, il y a une urgence. 在持续这状态下去的话, 会有危险的. 巨震都不是承受极限, 还有多久? 最长三分钟以内对身体还不会有影响, 但是... 有可能会被次元的缝隙给吞噬。最近的次元闸门位置在34秒后再度接近，赶快进行闸门开启作业。 Écoute, tu vas atteindre la porte dans très peu de temps. Est-ce que tu peux la détecter?
sortir, Makis.调查官的标记消失了，他已经安全离开闸门了。不清楚，现在马上转换到搜寻模式，开始搜寻模式。被卷入扭曲的次元空间可能性呢？无法排除此可能性。 Que je suis. Allez là, attrapons-la. Allez. Ne t'inquiète pas comme ça. Tout va bien. Tu n'as toujours pas compris. Elle est très résistante. Et dans toutes les situations. Encore maintenant, tu crois? Bien sûr. D'accord. Je garderai en tête qu'elle est coriace. Qu'y a-t-il? Haruka est ici, dans le monde féerique. Et Ai, elle est dans le monde ancien. Elle s'est perdue entre les dimensions. Eh ben ça alors. Ça, tu vois. C'est une chance à saisir. Quel est le plan? Commençons par trouver Haruka. Maintenant qu'Aïe n'est plus là. Les enfants? Et toi, pourquoi tu voles? J'ai rien fait, moi! Tu le laisses partir avec ce qu'il m'a volé? T'es mal placé pour lui faire la morale. Et toi? Pourquoi t'es pas en prison? Comment t'as fait pour t'enfuir? Mais qu'est-ce que tu racontes? Renseigne Ivan! J'ai un bouclier corporel. Et ça me protège de tes petits coups de matraque. Ça va pas être facile de me faire mal. Ah, 是 venu pour t'aider. Je m'en dois une. Tu peux te déplacer entre les dimensions et sans véhicule? Oui, mais c'est assez dangereux. La pression est très forte. Je n'ai pas reconnu le monde dans lequel j'étais. Ne pense pas à ça pour l'instant.
Concentre-toi. Tu dois rester bien contre moi pour diminuer la pression du passage. 次元跟通道的安定率状况不断低下，不清楚安定率低下的原因。分析结果出来了，好像有人擅自侵入通道。Qu'est-ce que vous faites avec elle? Mais combien tu pèses? On est trop lourd pour continuer. Tu veux dire qu'on est en danger? Je crois que oui. Donne-moi ta main. J'ai pas besoin de l'aide du doute. Allez, donne-moi ta main, vite! Tu pourras t'en sortir sans moi, tu crois? Probablement. Très bien. Alors on va voir si j'ai de la chance. Bonne chance. À toi aussi. Comment ça va? C'est mon frère qui t'a trouvé dans le parc. D'habitude, il ramène des chiens et des chats, mais c'est la première fois qu'il ramène quelqu'un d'aussi joli que toi. Tu as eu de la chance qu'il te trouve, n'est-ce pas? C'est nous qui devrions crier, dis donc. Il entre comme ça, lui. S'il te plaît, laisse cette chose loin de moi, d'accord? À ce que je vois, tu n'aimes pas les grenouilles. Elles sont très mignonnes, tu sais. Mais en fait, vous êtes vétérinaire? Oui, pourquoi? Tu n'aimes pas les animaux? J'ai été soignée par un vétérinaire. Je peux aussi m'occuper des humains? T'en fais pas, mon frère est très compétent. Tu en veux? La fille que je connaissais aimait la haute cuisine. Dis, en échange du traitement, ça te dirait de nous donner un coup de main? Non, mais de quoi j'ai l'air? Quoi? Rien. Dis. Pourquoi vous me laissez rester chez vous? Sans doute parce que tu n'as nulle part où aller. Parce que j'ai nulle part où aller? Pourquoi vous êtes si gentille avec moi? C'est une drôle de question. Je suis persuadée que tu ne penses pas forcément être récompensée à chaque fois que tu viens en aide à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas comme les autres. N'aie pas peur. Tout va bien. Je suis content que tu sois en sécurité. Merci. Moi aussi, je suis contente de voir que tu... Tu t'inquiètes pas trop, quoi. Aïe, tout va bien? J'ai du mal à t'entendre. Peut-être que mes fonctions auditives sont défectueuses. Parle-moi de ce monde inconnu. Un détective de la dimension l'a visité et l'a appelé le monde perdu. Le mieux, ce serait d'entendre ce que dit ce détective au sujet de ce monde perdu. En fait, l'enregistrement a disparu. Et nous ne savons pas qui était ce détective. Tout ça n'a aucun sens. Désolée, je dois prendre cet appel, c'est le chef. D'accord. Et après, rends-toi chez ton informateur. Content de vous voir sain et sauf. Désolée de vous avoir inquiété.
Est-ce qu'il y a eu des dégâts corporels lors du passage de la porte ? Je vais bien. Quand je suis allée dans le monde ancien, j'ai rencontré Haruka. C'est effectivement une génératrice. Et il faut que je m'assure qu'elle est en sécurité. Vous pensez à votre mission avant de penser à vous-même. Voilà bien la haie que je connais. Je continue à traquer le doute. Ce thé s'appelle Beauté Asiatique. Il est délicieux. Je suis tellement content que tu t'en sois souvenu. C'est mon thé préféré, tu sais. J'en suis très flattée. Tu étais blessée et le vétérinaire t'a soignée. Ça va mieux? Il faut reconnaître que tu es très fort, hein, pour ce qui est de trouver des informations. Je ne suis pas fort que pour ça. Si tu me laissais m'occuper de toi, tu t'en rendrais compte. Alors, combien de temps tu vas rester chez le vétérinaire? Ça te regarde? C'est pour parler. Et c'est de là. Tu crois qu'ils ont été transférés? Non, je ne crois pas. Regarde. Qu'est-ce que tu sais sur cette fille? C'est mieux comme ça. Tu vas parler maintenant. Hey, mon amour, tu aimes ça me faire mal. Parce que moi, j'adore ça. Comment je vais faire? Je ne sais pas comment vous remercier. C'est rien. Oh. Oh. C'est pas grave. Oui, mais je peux pas vous le rendre comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver mon animal? Vous êtes bien la fille de chez le vétérinaire? Et mon frère, tu en penses quoi, dis-moi? Rien de spécial. Je crois que vous vous trompez de personne. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Eh bien, j'ai amené ces gâteaux que le docteur aime tant. Tenez. Oui, allô? S'il vous plaît, venez m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai perdu mon animal de compagnie en venant le faire soigner chez le vétérinaire. Je vous en prie, aidez-moi à le retrouver. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça, votre animal? Je ne peux pas toucher aux grenouilles, ça me dégoûte. Excusez-moi. En plus, vous venez d'avoir un accident. Comment? J'ai entendu dire que vous aviez été tué dans une explosion accidentelle. J'ai du mal comprendre, hein? Si vous avez été gentil avec moi, c'est parce que je ressemble à cette fille, c'est ça? Je ne suis qu'une remplaçante. Ça s'est passé si vite. Cours! On essayait juste d'échapper à la réalité. Tu
Tu lui ressembles tellement, tu sais. Désolé. Allez, je t'emmène chez le vétérinaire, d'accord? Tu sers à quoi? Tu aurais dû savoir que j'étais sa femme dans ce monde. Le doute est en train de passer à l'action. Vous voulez regarder ma grenouille? Qu'est-ce que vous avez fait de la fille? Ken, tu ne crois pas qu'il serait temps de lui dire la vérité? Ne fais pas ça. Mais attends, est-ce que toi aussi tu fais partie du doute? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sauter entre les dimensions, ça lui demande énormément d'énergie. Elle essaye de te montrer la vérité. Au risque de mettre sa propre vie en jeu. La vérité? S'il te plaît, rappelle-toi qui tu étais avant. Vous avez essayé de m'avoir. Vous vous êtes tué dans le monde ancien pour changer d'identité. Pas du tout. Ils ont été tués avant l'arrivée de nos camarades. Et la fille à la grenouille, elle vient de ce monde-là. Je n'y crois pas à votre histoire. Ils ont pris le contrôle de ta mémoire. Normalement, ça devrait te causer des maux de tête parfois, non? Tout ça a commencé à cause de mes recherches. Souviens-toi, mon frère était à la pointe de la recherche dimensionnelle. J'avançais très vite dans mon travail, grâce à l'aide d'une génératrice. Elle s'est sacrifiée pour permettre l'ouverture du passage. La porte risque de s'ouvrir d'un moment à l'autre. Vite la stabiliser avant qu'elle ne disparaisse. Réponds-moi. Allez. Oui, chef. Allez. Et ces hommes sans scrupules l'ont achevé. Ils l'ont tué. C'est pour ça que nous ne voulions plus continuer nos recherches. Mais il y avait beaucoup trop d'enjeux autour de ces recherches. Ils ont voulu nous forcer à continuer. Ils nous ont frappés. Ils nous ont même torturés. Voilà le résultat. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer un groupe de résistance. Ken a travaillé pour mettre au point le véhicule de combat. Et une fois le prototype terminé, il s'est échappé dans une autre dimension. J'ai mis quelqu'un à ma place pour qu'il ne se doute de rien.
Pour ça, tu as dû sacrifier quelqu'un. C'est ce que font les criminels dans les dimensions. Cet homme était un prêtre du monde féerique. Il était atteint d'une maladie incurable. Il s'est porté volontaire quand je lui ai dit ce que nous comptions faire. Voilà comment ça s'est passé. Mais c'est complètement insensé d'offrir sa mort à un inconnu. Je sens que je n'en ai plus pour longtemps. S'il te plaît, laisse-moi ici. Et enfuis-toi. Il s'inquiétait du sort de sa famille après sa mort. Mon frère lui a proposé de prendre soin d'eux en échange de son sacrifice. Le prêtre a choisi de devenir mon frère. Cette histoire. C'est le chef qui a donné l'ordre aux gardes de la torturer. C'est de sa faute. Et c'est qui ce chef alors? Tu ne devines pas qui c'est? Madarame Dogen. Celui qu'on appelle le cerveau. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il s'est servi de son influence sur le gouvernement pour devenir le chef. Dès qu'il a obtenu le pouvoir, il a mis son plan en œuvre. Il a commencé par se donner la vie éternelle. Et puis il a voulu éliminer ceux qui, comme moi, peuvent voyager entre les dimensions. Les générateurs, quoi. Le cerveau s'est aussi servi des criminels. Il les a sortis de prison pour contrôler le monde parallèle. Monsieur, je ne dirai rien à personne. Je veux en avoir la certitude. Il les utilise comme des outils qu'il peut jeter quand bon lui semble. Nous, on avait besoin d'informations. On a contacté Todoroki pour en savoir plus au sujet du cerveau. On a essayé de l'interroger. Seulement, voilà, le cerveau l'a compris. C'est pour ça qu'il t'a lancé à sa recherche. Pour l'éliminer avant qu'il ne révèle ses secrets. Tu es arrivé juste avant qu'il commence à parler. Tu t'en souviens? Même toi, tu n'es qu'un outil dont il peut disposer à sa guise. Dans le monde perdu, Madarame, c'était un politicien rusé. Il a voulu faire revivre ce monde après la guerre qu'il a détruit. Mais alors? Le Madarame original a été tué. Par le cerveau. Mais pourquoi? Ce qu'il voulait, c'était le pouvoir politique. Pour prendre le contrôle de la prison. Ne résiste pas. Tu dois laisser ta vraie mémoire revenir. Sauve-toi! M'a-t-il échangé? Eh bien, tu as goûté à ma soupe de grenouille, il y a quelques mois. À ce moment-là, la AI originale a compris comment le cerveau utilisait le passage. Elle a commencé à partager des informations avec mon frère. Quand le cerveau s'en est rendu compte, il a été obligé de t'envoyer dans le monde perdu. Et il t'a jeté en prison. Est-ce que tu veux sortir d'ici? Tu ne pouvais pas dire non. Après ça, il a limité ta mémoire. Et il t'a fait croire que tu avais toujours été détective. Tu n'étais pas la seule à avoir compris ce qui se tramait. Mais attends, Bridge m'avait parlé d'un détective qui s'était fait renvoyer. Alors dis-nous, maintenant que tu sais tout, tu vas nous aider? Nous sommes tous en danger si jamais le cerveau réussit son plan. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour l'instant, le monde parallèle est dans un équilibre instable. Mais si jamais quelqu'un y découvre l'existence des autres mondes,
C'est là que nous serons tous en danger. Parce qu'à ce moment, les autres mondes commenceront à tous fusionner avec le monde original. Fusionner ? Ça veut dire que tous les mondes disparaîtront. Attends, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On n'est pas assez nombreux. Ta mémoire est revenue ? Et ton courage, alors ? Il y a quelqu'un d'autre qui va nous aider. C'est de très mauvais goût de diffuser une exécution. Ça devrait pas tarder à commencer. Ils veulent adresser un avertissement à la population. C'est bientôt l'heure, ils ne vont pas tarder. On est prêt à passer à l'attaque. Eh ben, j'aurais jamais imaginé assister à ça. Ça faisait longtemps. Salut. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme resto pour aujourd'hui ? Je sais pas. Il faut voir. Je suis désolée que tu aies vécu ça à ma place. T'as pas l'air désolée quand tu dis ça. On dirait vraiment moi. Je suis désolée. Je pensais être du bon côté, mais je me trompais, j'étais la pire des criminels. Il faut pas dire ça. Je suis pareil que toi. Et tu es pareil que moi. Tu sais, je ne suis pas une scientifique, mais pour moi, chaque personne est à l'origine d'un monde. Et chaque monde est en expansion, avec sa propre vie. Et comme les branches d'un arbre, il se divise à chaque fois que nous faisons un choix. En ce moment même. Et tant qu'il y aura des gens pour être conscients du monde qui les entoure, ils continueront à se développer et à se multiplier à l'infini. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais... La porte du passage ne s'ouvre pas. Comment ça, elle ne s'ouvre pas ? Ils ont condamné l'accès, sûrement depuis le monde original. J'ai bien peur qu'on soit tous condamnés à rester là. Attention ! Détective des dimensions. Est-ce qu'il va bien ? J'en sais rien. Il avait compris les plans du cerveau. Et il avait essayé de me sauver la vie. Pourquoi est-ce qu'il a essayé de me protéger ? J'aimerais tellement le revoir. Tu vas le revoir ! Bien sûr que tu vas le revoir. J'espère. Quand tout ça sera fini,
On ira tous dîner ensemble. Au fait, tu m'as toujours pas dit lequel c'est le meilleur restaurant. De détruire son programme informatique. Mais pour ça, il faut atteindre le centre de commandement. Si on saute là-bas, on y arrivera. Vous en faites pas pour moi. Occupez-vous du programme. Oui. Pousse-toi. Voilà le programme du cerveau. Tu peux débloquer les dimensions fermées ? Bien sûr, je suis détective après tout. En tout cas, moi, je peux pas le faire. Ah bon ? Je croyais que t'étais une des meilleures détectives. Oui, elle l'était. C'était un pantin entre mes mains. Oh, l'ordure! Vous avez encore une forme humaine? Tant que mon programme personnel aura le contrôle des dimensions, je pourrai me déplacer et agir comme bon me semble. Elle n'est même pas encore réveillée. Vous n'avez aucune raison de la tuer. Tous les éléments qui posent problème doivent être éliminés le plus vite possible. Quel problème? C'est vous le problème. Vous dites que je pose problème, mais je suis la solution à tous les problèmes en prenant le contrôle des mondes parallèles. C'est ce qui pouvait arriver de mieux au genre humain pour mettre fin à sa folie destructrice. Après la Troisième Guerre mondiale, le monde dans lequel vous existiez tout est devenu un enfer. La faim avait fait de vous des animaux. Et alors ? Une fois que je serai devenu le maître incontesté de tous les mondes parallèles, je changerai le destin des peuples et je les guiderai dans la bonne direction. Je construirai un monde nouveau et idéal où les guerres ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Si vous tentez de faire ça, les mondes fusionneront et disparaîtront. Je ne crois pas à ces hypothèses sans fondement. Alors vous croyez que c'est ça que font les dieux ? Détruire l'humanité ? Certains dommages collatéraux sont inévitables. Vous n'avez rien à voir avec un dieu. Vous n'êtes rien d'autre que... qu'un mégalomane. Sans dignité, sans honneur. Dans ce cas-là, allez au diable et voyez ce qu'il en coûte de se retourner contre Dieu. Par ici! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon coéquipier ? Il doit être atteint d'un virus pour se comporter de cette manière. Alors, Aïe, dis-moi, ça te fait quoi d'être trahi par ton coéquipier, hein ? Il m'avait dit qu'il ne pourrait pas être amoureux de moi même s'il avait un virus. Oui, et puis c'est peut-être pas plus mal comme ça, hein ? Pas l'achever. Je vais le faire. Non, Yui, c'est moi qui dois le faire.
est malade? T'aurais pu la toucher, tu te rends compte? T'inquiète, Aïe ne manque jamais sa cible. Je crois que c'est un don qui vient de l'autre moi. J'imagine que c'est un réflexe mémoriel. Mais... comment il a fait? Il a le bracelet. Ça a dû se passer à ce moment-là. Sans le bracelet, ça va être beaucoup plus dur de sauter. Sauter entre les dimensions demande beaucoup d'énergie. Tu n'as plus les pouvoirs des dieux. Va te cacher derrière et ne bouge pas. Oui. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça me rend toute nerveuse. Aïe, tu ne changeras jamais, je te jure. Je dois prendre ça pour un compliment? En quelque sorte. On ne peut pas laisser ce salaud se prendre pour un dieu. Si les dieux ressemblent à ça, ben j'aime plus les dieux. Jamais je ne perdrai ma coéquipière. Cette fois, c'est fini pour vous. C'est toi qui a fait ça? J'ai pas pu faire beaucoup mieux.
On a presque rien ici. Merci. Allez, au revoir. Si jamais on se revoit, je te revaudrai ça. C'était toi ? C'était toi, le détective, qui a été renvoyé ? Comment j'ai pu ne pas m'en souvenir ? C'était la dernière chose que je pouvais faire. Le bonbon que tu m'as offert, il était vraiment délicieux. Ça va ? On a réussi. Oui, vous m'avez tous protégés. Mais vous êtes blessés ? T'en fais pas, c'est pas grave. Tenez. Pas besoin. Garde-le, toi. Je suis sûre que tu sauras en faire bon usage. D'accord. Tu avais raison. N'est-ce pas ? De quoi vous parlez ? Moi aussi. J'aimerais bien avoir une vraie amie sur laquelle compter. C'est bien d'avoir une coéquipière. Allez, je reviendrai vous voir. On s'occupe du reste. C'est bien d'avoir une coéquipière. Tu voulais me faire rougir ou quoi ? Mais non, je voulais pas te faire rougir, qu'est-ce que tu crois ? Alors ? Quand est-ce qu'on va manger ? Arrête, j'ai pas faim. Tu veux pas du tofu aux amandes ? Si. Les meilleurs détectives de tous les mondes sont de retour. Les mains.